Salutations à tous. Aujourd'hui, on va se rattraper. Il est l'heure de faire le rattrapage des réacts, voir tout ce qui est sorti. Donc, c'est parti. On commence avec Suspect 95 qui nous a déjà dans la semaine envoyé une photo assez magnifique, très présidentielle, avec le drapeau ivoirien, le style vraiment très pointu avec les belles couleurs et tout. Un visage parfait à la perfection, la photo. Donc on se disait, mais qu'est-ce que ça annonce? Et on se dit peut-être qu'il va nous envoyer un truc en rapport avec ce type-là. Et il avait écrit le parti. Donc juste après, je sais pas c'était quoi. Alors il y a un jour, et bon, je crois que c'était le même jour, je crois, à confirmer. Il a envoyé une vidéo dont il y a écrit Suspect 95 le parti. Donc sûrement un son de l'album. Donc on va checker ça. On met le son. On y va. Let's go. Jean-Michel Conin, Godo Family, GM on the track, et Kuni demande 7 à la Real. Il retire tout. Il a mis la photo derrière aussi, hein. Oh, l'ambiance est hyper bonne à écouter. Écoute-moi bien, maintenant je passe en mode révolution. C'est comme ça, faut des sacrifices pour l'évolution. C'est dans les sacrifices qu'ils ont cassé chez vous. Qu'est-ce qu'on fait pour nous? C'est interdire à tout et qu'il y a votre solution. Les gens en ont marre, suicide en enchaînement. En plus, Purida, ton pièce, musique d'enterrement. On nous dit d'investir, mais comment? Quand c'est 5 millions la voiture et 10 millions d'édouanement. On n'est pas fâché, c'est juste un constat, c'est tout. Merci pour les routes, pour les fonds, pour les stades et tout. On est plus que fiers lorsqu'à l'étranger ça parle de nous. Mais lorsque tu te couches et que ton estomac pleure, tu oublies le tout. On veut pas être ingrat, dites à la CIE de faire un petit effort dans ce cas. Les factures qu'on reçoit, le son est trop bon. Si tu dois choisir entre la lumière et le ventre, venez prendre votre disjoncteur dès ce soir. Quand on parle de Côte d'Ivoire, il s'agit de tout le monde. Pas seulement ceux qui mangent à l'ivoire, les plats de son. Franchement, elle est trop bon. La télé qui vend les condiments au fond d'assez coupé où ils n'ont pas prévu de mettre le bouton. On est tous concernés, même si ça va chez toi, sache qu'on est tous concernés. On sait jamais quand Dieu décide de tout renverser. Ce que tu voyais de moins commence à te transpercer. C'est valable pour les calmement, il est tellement au point. T'es pas là juste pour mettre l'ambiance, non, c'est plus que ça. Aujourd'hui, tu as de l'audience, tu fais quoi de ça? Ne pense pas qu'à toi, pense au public qui t'a donné ça. C'est ceux qui payent les tickets, c'est ceux qui dorment sur ton YouTube en train de cliquer. Ce qu'on te demande, c'est juste d'être un peu impliqué. On cherche pas nouveau Martin Luther King. Non, c'est pas ça l'idée. Non, l'idée c'est juste de dire souvent quelque chose. Même un petit poste, être solidaire de la cause. C'est quand même respectueux ce qu'il a fait, hein. C'est acquis. Mais ce côté-là, ça sera le rôle du parti. On peut pas empêcher quelqu'un de faire. Oh là là. Franchement, belle claque, hein, quand même, hein. Décapissement en Côte d'Ivoire. Destruction du quartier de Boïbana, les populations dans le désarroi. Quand c'est important, on ne voit personne. Quand c'est des bêtises, vous êtes en tas. Quand c'est des potins, on voit les partages. Quand c'est du concret, on vous voit pas. Le parti, le bas. Toujours des surprises avec lui. On va te dire ton vrai nom si ça t'a frustré. Changement de prod, changement de flow. Quand c'est des débats sans que ni tête, cerveau de patron, tu mets le cœur. Quand c'est des directeurs sur TikTok, là ça te gêne pas. Tu mets des heures, tu mets des heures, tu mets des heures. Jusqu'à 4 heures, tu mets des cœurs. Il était plutôt calme en fait sur la première partie. Toujours pointu lyriquement. Deuxième partie, on est un peu plus brut. On parle avec plus de poigne, plus le brut il ressort directement en fait. Franchement, il est incroyable, hein. Oh là là, franchement, là je vais baisser le son, évidemment. Que dire? Franchement, je reste bouche bée quand je vois ce genre de contenu de la part de ce suspect 95. C'est impressionnant ce qu'il arrive à envoyer comme contenu. Il va là où on ne l'attend pas. Il va là où il a envie d'aller. Il n'écoute pas forcément tout ce qui se fait ou les tendances ou je sais pas quoi, tu vois. Il fait vraiment la musique qui le passionne et vraiment les causes qui lui tient à cœur.
et ce qu'il a envie de faire, tu vois, pour aussi sa communauté, son pays, son peuple. Et il le fait grâce à cette cote qu'il a, cette popularité. Il essaie de transmettre ce message. Comme il a assez bien dit dans son message, certains ont des popularités, ont des cotes, ont des intérêts, soit au niveau de la visibilité, etc. Et à la fin, tout le monde ne profite pas de ce genre de choses. Et il a dit des vraies choses. Franchement, lyricalement, c'était impeccable. Et franchement, c'est tellement bon à écouter. Franchement, la première partie était vraiment trop bonne à écouter. Et la deuxième partie, plus brute, plus agressive. Et on dirait qu'il veut aller. Il passe le level 2, tu vois, du message qu'il était en train de faire passer. Genre en mode, je parle doucement, posé, faire comprendre les choses doucement, sans besoin de se presser, sans besoin de. Trop technique, trop de flow, etc. Il pose ça posément. Tu vois, il y a des petits détails à chaque fois sur la prod, sur le son, que ce soit les coupures de prod, les scratchs, les petits bouts de voix que t'entends, on dirait des petits samples à droite à gauche. Franchement, c'est une puissance qualitativement incroyable. Hop, la lumière est s'éteint. Tu vois, t'entends la voix de la femme derrière qui est en train, qui pense aux pauvres, qui pense à nous, etc. Le peuple, l'État. Et là, tu vois, il met puissance 2, tu vois, au son, tu vois. Non, franchement, c'est incroyable. C'est vrai que c'est pas tout le monde déjà qui ose le faire, qui a la force de le faire et le talent de le faire aussi, parce que c'est ce genre de sons qui sont pas évidents à faire, parce que lui, il arrive quand même à maîtriser le visuel, la prod et le flow technique, etc. Il arrive à tout assembler. Ça donne vraiment un artiste complet. Vraiment, c'est l'artiste le plus complet d'Afrique. Hein. Franchement, c'est incroyable. Il arrive à partir sur tout thème, tout sujet, rester quali sur chaque son, chaque visuel, avoir des choses différentes, avoir des visuels qui sortent du lot, que certains vont trouver peut-être soit pas dans la tendance ou pas comme ça, voilà, ça va pas forcément plaire à tout le monde, parce que voilà, il cherche pas la tendance, il cherche pas la popularité ou ce qui va cartonner le plus, il va chercher ce qui va toucher le cœur des gens, tu vois ce que je veux dire. Et franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce gars-là, c'est assez incroyable ce qu'il propose, et il faut vraiment lui donner toute la force qu'on peut pour faire passer ses messages, pour faire passer sa vision artistique de ce qu'il veut envoyer pour ce pays, pour la Côte d'Ivoire, pour ce continent, pour l'Afrique, et le transmettre aussi partout dans le monde, tu vois. Et moi, je trouve que c'est un bel exemple en tant qu'artiste de faire des choses comme ça, lyricalement, choix de prod qui peuvent être différentes, qui sortent du lot, etc. Il y a beaucoup de choses à dire. Franchement, on pourrait en parler des heures. Ah, je suis sûr, je pourrais faire une table ronde avec des amateurs de suspects, des amateurs de la musique ivoirienne ou d'Afrique ou en France ou d'ailleurs n'importe où. Mais voilà, quelqu'un qui est passionné, il y a des choses à parler, tu vois. Il y a pas mal de choses, soit au niveau du visuel, les techniques, les paroles qu'il envoie, qui sont impactantes. Hein. Quand il dit des trucs, tu vois, il le dit pas juste en mode technique, flow, etc. Tu vois, là, après, bon, évidemment, il y a de la technique, il y a du flow dans certains types de sons, etc. Comme la deuxième partie, c'est un peu plus technique, mais il y a toujours ce truc à vouloir être précis dans ce qu'il fait dans la. Je sais pas s'il est toujours à la recherche de la perfection ou dans les petits détails ou il est perfectionniste, etc. Mais on dirait que ça sent qu'il est comme ça. Je sais pas, il y a vraiment rien qui est mis de côté sur tout le contenu. C'est ouf, c'est masterclass, tu vois. Masterclass, tu vois, après tu peux aimer la musique ou ne pas aimer, mais tu peux pas dire que c'est faible en qualité. C'est vraiment incroyable ce qu'il propose. Et c'est ça ce qu'on veut aussi, tu vois. On cherche évidemment la tendance pour s'ambiancer, pour ça. Mais des messages faits avec qualité et respect. Il fait faire des choses, tu vois, il a une popularité, il l'utilise à bon escient aussi. C'est respectable, tu vois, ce genre d'artiste-là. Donc, grande force à Suspect 95 pour son futur projet et pour ce qu'il est en train de faire, parce que c'est beau.
Donc voilà, on a fait un petit temps sur ce titre, le parti, notre message, le parti. Kony demande cet salariat, Jean-Michel Conin, sûrement la première track, et God of Family et JM en deux tracks, sûrement la deuxième, ou peut-être l'inverse. En tout cas, c'est propre, c'est du bon contenu, c'est quali, c'est comme d'hab, c'est Suspect 95, tout simplement. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao.